Le rendez-vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition, la finale. Enfin, enfin, nous allons la vivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue, avec une affiche qui promet beaucoup. Le Paris Saint-Germain face au Borussia Mönchengladbach. C'est toujours un moment à part de disputer une finale, bien sûr. On sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête. Beaucoup d'espoir, bien sûr, pour cette finale, même si on a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. Voilà, c'est parti, la grande finale, hein, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Messi. La bonne présence là du gardien. C'est un corner pour le PSG. Attention, ce corner de Neymar. Premier sur ce corner. Allez, comme elle vient! Alassane Pléa. MC Baini. Ah oui, il fallait intervenir sur ce ballon. Il a bien anticipé sur cette passe. Oh, le grand danger! Oh, dommage! C'était finement joué. Créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Alassane Pléa. Yannas Hoffmann. Attention, c'est dangereux. Et on va s'arrêter là parce que c'est un hors-jeu qui a été signalé. Neymar. Attention, Sommer, on n'a pas capté le ballon. La faute, hein. L'attaque qui a été enrayée. La faute me semble évidente, hein, sur ce tacle. Merci. Ballon qui a heurté le cadre. Oh, la frappe lointaine. Magnifique, qui méritait un meilleur sort, c'est sûr. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Il y a pas mal de monde pour le presser. Attention à la contre-attaque.
Marco Verratti. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ah non, Lionel Messi, il était trop loin. Oh oui, le but, l'ouverture du score. Ah, ça, c'est important de marquer en premier. Quelle frappe, quelle frappe. On revoit ça. Elle est soudaine, elle a surpris tout le monde. Et en premier lieu, le gardien. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il vient lui subtiliser le ballon. Et donc il siffle un coup franc en faveur du PSG. Oh, que c'est mal défendu, c'est pas bien défendu. Il cherche quelqu'un de démarqué. Et sommaire sur ce ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Cette contre-attaque est déjà terminée. Arbitre qui siffle contre le PSG. Et il l'a éliminé, attention. Oh, il était temps d'intervenir là. Et on a Stoffman, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, l'arrêt en deux temps. L'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Oh, bien rattrapé. Bien rattrapé dans les buts. Le banc de touche a eu peur, mais ça a été bien rattrapé dans un deuxième temps. Un petit peu d'espace pour Hakimi. Un magnifique volée, hein, vraiment. Si vous la regardez bien, vous allez pouvoir voir l'étoile du berger. De mouvement là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Verratti. Un ballon perdu par Marco Verratti. Jonas Hofmann. Ils reprennent possession du ballon. Verratti. Messi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ça n'ira pas plus loin. Oh, le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Neymar. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Mbolo.
Alassane Pléa. Jonas Hoffmann. Donnarumma qui capte ce ballon. Il y a du monde sur lui. Ouais, bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Le joueur qui va rentrer. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Mbolo. Stefan Lehner. Jonas Hoffmann. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. Voilà, on ralentit. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Face à face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Alassane Pléa. Ouais, ils perdent ce ballon. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. La passe de Neymar et qui est interceptée. Achraf Hakimi. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Le petit ballon piqué. Oh oui, magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est imparable. Ça, il élimine bien son adversaire direct. Et ensuite, cette petite pichenette tout au toucher. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Ah, il est plié ce match, plus que 5 minutes à jouer. Il gagne du terrain. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Le centre qui est dégagé par Sergio Ramos. Oh, la frappe de Mule. La frappe de Mulas. Mais alors sans cerveau. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. La petite talonnade, c'est bien fait.
Il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. En profondeur. Oh oui, il y est. Eh bien, encore heureux que c'était son mauvais pied, hein, parce que la frappe est bonne, elle est précise. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. Toujours ces images, hein, pleines d'émotion. Cette communion entre une équipe et un public hein, qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Hein, là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité.